C'est la deuxième vidéo de Slavien Bouvier. Voilà, alors j'aimerais que tu baisses un peu le son parce que on n'entend pas trop ta petite voix très sexy. Alors sexy bien sûr, sexy, les petits ne comprennent peut-être pas. Sexy, c'est sexy tout simplement. Quelle définition, voilà. C'est incroyable. Alors on est parti pour The Mercenaries et c'est encore moi, Fireflav, qui va faire... qui va jouer tout simplement. J'ai pas de record parce que sur ce niveau, bon, même moi je galère un peu à ce niveau là. Ce niveau c'est le plus difficile, c'est le... Oui. On va dire que c'est le dernier niveau dans l'histoire. C'est le dernier niveau, ouais. Enfin, dans l'histoire, je crois pas qu'on le voit, non, on le voit pas, mais c'est plus dur de mercenaries tout simplement. Oui. Voilà. 10 flèches. Ah bah il y a du temps. Ouais, il y en a pas mal dans ce niveau-là du temps. Oui. Bah, ouais. Par contre, je te signale qu'il y a un surhomme avec une tronçonneuse, mais il est encore plus fort que ce qu'on a vu avant. Donc faut vraiment faire gaffe. Ah merde. Et aussi faire gaffe au bon. Bon, on dirait à moitié qu'ils sont dans le Moyen-Âge, là, avec leurs haches. Oh, ça fait moins Moyen-Âge que le village, hein, en tout cas. Oui. Ah merde. Franchement, je suis pas vraiment doué. Alors, est-ce que... Ah non, 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 qu'est-ce qu'il fait? Mais non, B. Non, mais pour le... Retour. Le... Y. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des bombes pour soigner? Je sais pas. Si, ça. C'est prêt, voilà. Pour durer. Et après aussi, t'as une plante par terre. Bon, il y a des plantes, voilà, des plantes pour soigner. Heureusement qu'il y en a un, parce que c'est pas facile. Sinon, ce serait déjà mort. Oh, j'ai eu beaucoup de mal à viser. Oh là là. On a remarqué. Et il y en a sans doute un juste à côté de toi. Là. Voilà. Oh là là. Je me disais bien. Et en plus, c'est un beau gosse. On va pas exagérer non plus. Et voilà, faut que je repousse. Mais Grosseur, c'est un costaud, hein. Comme Oliver. Il n'y a pas de problème. On dirait des espèces de militaires. Voilà. Bah, c'est des militaires, je pense. Hein. Oh. Qui sont maintenant zombies. Alors, je vais me casser un peu parce que je suis pas très à l'aise parmi toutes ces races de zombies. Ah, mais qui c'est que ce mec? Oh là là. Et ouais. Ah, les plantes sont très efficaces. Il faut les trouver. Non, ça donne à peu près un quart de vie, quoi. Ah, du temps, enfin. Il nous en fait. C'est incroyable, mais... Attention, il a un bazooka. Oh. Ouf. Ouf. Ça fait peur. Tout le monde se dit ouf. Ouais, si t'avais tiré une seule fois dans la... Et du temps encore. Mais je suis chanceux, moi, 60 y secondes. Il y avait un coche, quoi. Derrière toi, il y avait un coche. Un coche. Hey. Sauf que je trouve pas. Bon, bah, tant pis. On va tuer des mecs pour l'instant. Il faudrait déjà que j'en trouve. Tu gagnes 30 secondes en prenant un coche, mais non, c'est pas grave. Il est où? Il est où? Juste à côté, là, à droite. Là regarde, tu vois pas de coffre rouge? Et en plus, il y a un petit bonus là, si tu bats des ennemis, t'as plus 1000. Donc ça c'est bon. Oh là là, j'ai remarqué qu'il esquivait très bien celui-là. Je prends encore une plante. Ce serait bien aussi des grenades qui aveuglent, non? Ouais, pourquoi pas, et donner des coups après. Coup CA, bien sûr. Voilà. Il faut s'approcher de l'ennemi, il faut faire A. Par contre, ceux qui ont des boucliers sont protégés par ça. Voilà. Donc ça fait déjà... 2 d'affilée. Donc, 1000 fois 2, hein, faites le calcul, hein. 2000. Qu'est-ce que je suis bon en maths. Oh, bah il se casse, tant mieux. Ah, ça. On voit vraiment que Slavien galère, mais il a quand même fait 18 000, hein. Eh ouais, faut se dire que tout à l'heure, au milieu, je faisais 4 000. Et en plus, que... ce niveau est plus dur. Le problème, c'est que ça compte pas tes points si tu crèves. Donc, ah bah, t'es mort. Eh bah, merde, voilà, 18 610, on vous monte, voilà, on a fini. The Mercenaries, le niveau le plus dur. Bon voilà, 18 610, c'est mieux que le village. Je me suis amélioré.
Et je suis fier de moi. Voilà, tout simplement, je le dis devant vous, je suis fier de moi. Car je suis vraiment pas trop habitué à la GameCube. La GameCube, c'est bien. Mais c'est vraiment pour les malins. Allez!